Ça a l'air d'être des tournesols. C'est la mairie qui fait ça, à côté de la garderie, de la ludothèque. Avec des branches naturelles, ils ont fait comme une tente. Ça va faire un support pour les tournesols. C'est pas mal. Hein, j'aime bien ce petit coin. C'est l'arbre, pardon, ce qu'ils appellent l'hôtel aux insectes. J'en ferai un quand j'aurai déménagé. J'essaierai d'en faire un. Petite structure pour mettre les plantes. Fait comme un mini potager, c'est bien, tant que les gens détruisent pas. C'est joli, j'aime bien. Je m'assois là. J'aime bien être dans ce petit coin. C'est de la bourrache. Eh oui. On va planter de la bourrache. Là, c'est la cantine de la ville. Oh, ça fait joli. Vous voyez? Le bâtiment, il est moche. Le petit coin potager, j'aime bien. Avec des fleurs, je pense qu'il doit y avoir quelques légumes, des plantes aromatiques. Là, c'est une bonne idée. Avec des roues, des pneus, pardon, de voiture, ils ont fait un faux puits. Et là, les plantes, elles ont pris un coup. Avant, là, le petit bout de ciment, ils avaient mis un vélo fleuri, ils l'ont déplacé. Ils l'ont déplacé par là. Et là, je viens souvent. Ah, ça, je crois que ça va être des tomates. J'espère que les gens ne vont pas détruire. Et la boîte à livres. Il y en a deux là où j'habite. De temps en temps et je trouve des bons livres. Là, je viens de trouver un vieux livre de 1800, je sais pas combien. Voilà, ça appartient à la garderie. Regardez comme c'est joli, le vélo, ça fait beau. Je fais un petit coin. Bon. Ça, c'est des herbes aromatiques. Il y a du thym citron là. Ça, c'est du thym citron, ça je me rappelle plus. Tout ça. Oui, c'est pas mal. C'est joli. Des framboisiers. Je sais pas ce que c'est. Compost. C'est pas mal. Hein. Aller là, peut-être que c'est interdit. Oui. C'est une ludothèque et une garderie. Ils ont fait un petit coin potager. C'est beau. Je vais goûter les framboises. J'ai pris 4 framboises. C'est beau, hein? Voilà, j'aime bien ce petit coin-là. Elles sont bonnes.
Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis. Courage à nous tous.